Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 17e épisode de la série TrackDay. Cette semaine, on va s'intéresser à deux bons gros V8 américains, mais on va commencer par une Camaro GT3. Alors, la Camaro GT3, vous la connaissez peut-être pour sa présence dans Raceroom Racing Experience, dans la catégorie ADAC GT Master. Il faut savoir que cette voiture a participé à pas mal de grosses épreuves de GT en Europe. Aux États-Unis, un peu moins. Enfin, j'ai pas de souvenirs de marquants de cette voiture. J'en ai plus l'image en ADAC GT Master en Allemagne, donc cette livrée noire. Donc voilà, cette Camaro GT3 qui fait un son absolument magnifique de V8, je vous laisserai donc après en profiter bien sûr comme le veut la règle. On est sur le circuit de Surfers Paradise qui est un circuit australien qui rappellera pour certains des souvenirs dans Toka Race Driver 2 et 3. Bien sûr, vous passez faire vos classes en V8 Supercar sur ce tracé tout simplement. Donc ça m'a fait plaisir de le revoir compatible avec la version 1.1.6 d'Assetto Corsa. Donc la voiture ainsi que le tracé, qui sont tous les deux en cours de développement, sont disponibles, je le rappelle, dans la description. Pour revenir une dernière fois sur la voiture avant de vous laisser profiter de ce son et de ces quelques plans de course, une voiture plutôt fine en détail. Alors je sais pas où ils ont récupéré le bodywork, le modèle du GT3, mais en tout cas, c'est un mode vraiment sympa qui a mis beaucoup de temps à s'installer, qui a été pas mal revu, corrigé, remis à jour avec les soucis qu'on a avec les différentes versions d'Assetto Corsa. On peut le trouver pour pas mal de versions maintenant, au fur et à mesure des semaines et des mois où Assetto a évolué. Donc franchement, c'est un mode bien sympathique et ça peut être, si vous créez vos propres serveurs, ça peut être un très bon complément avec quelques skins de compétition à la catégorie GT3 qui est déjà installée de base dans Assetto Corsa. Donc vraiment un modèle sympathique à ajouter et qui a une balance de performance assez correcte et qui, dans son comportement, se rapproche, j'ai trouvé, assez fort de la Nissan GT-R 35, la GT-R de la catégorie GT3, disponible depuis le dernier Dream Pack. Voilà, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de vidéo et vous dire de monter le son et on se retrouve juste après pour une autre bête américaine, un pur sang, une Mustang. Mais allez voir le 18e épisode pour ça. Salut!